set off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance. Et salut tout le monde, c'est Shaker77 et on se retrouve pour une nouvelle map aventure après Escape de Puzzle Master et Cross Story que vous avez beaucoup aimé. Donc je continue dans cette série de map aventure et on se retrouve sur la map Carcerem. Donc vous retrouverez toutes les infos, enfin surtout le lien de téléchargement de la map dans la description. Et écoutez, trêve de blabla, on a l'habitude, maintenant on commence tout de suite. Donc je dis juste que c'est une map du style, on commence dans une prison et on doit s'évader. Ça ne me fait penser en rien à plein d'autres maps, mais c'est à la mienne notamment. Mais voilà, elle a l'air pas mal, enfin je sais pas en fait. Règles: ne casser aucun bloc sauf la clé, utiliser uniquement ce qui est dans les coffres, ne pas jeter, utiliser la clé pour des énigmes, ne poser aucun bloc, jouer en peaceful, lire tous les panneaux narratifs, laser marque les points, il y en a 70 en tout, ok. Et règle numéro 1, explorer toujours un maximum toutes les cellules. Alors c'est parti, scénario. Vous vous réveillez dans votre cellule. Il n'y a pas un bruit. Où sont donc les autres détenus? Votre but: profiter de la disparition des gardes pour vous échapper et comprendre ce qu'il est arrivé. Version 1.2.5. Oh yeah. Et voyons comment vous pourriez ouvrir cette porte. Alors, c'est parti, première énigme. Qu'est-ce que c'est ça? Respawn en cas de mort. Ok, ça c'est que dalle. Alors, on a le droit de casser la clé. On va commencer tout de suite en cassant la clé. C'est magique. Et oh la bouffe, ça y est, on a plein de bouffe. C'est magnifique, on a un petit œuf, donc ça vaut des points, je vais le mettre ici. Puis écoutez, hein, j'espère que je vais pas rester bloqué sur des énigmes. Ouvrir la porte, un autre bloc de clé ici. Ok, bon, la porte s'est ouverte, il y avait de l'eau, d'accord. Alors, nous sommes le détenu numéro 54, faut essayer de le retenir, souvent c'est comme ça, et on sait pas qui on est, d'accord. Alors, sas de sécurité, bloc A, autorisation requise. Balou, ours heureux, référence au livre de la jungle, je pense. Ah, c'est marrant s'ils mettent des noms des prisonniers. Winnie l'ourson, voleur de miel. Oh là là, c'est pas bien Winnie. Jack Spirou a imité... Ah, a imité un sale pirate. Jack Sparrow, Jack Spirou, d'accord. Faut visiter les cellules. Mince. Ah non, mais il y avait que celle-là d'ouverture, je suis bête. Allez, on visite la cellule de Jack Spirou. Il y a une plaque de pression ici. Ok. Ça a dû faire quelque chose. Ça a pas ouvert ici. Non. Oula. Je suis un peu enrhumé. Ça va aller. Il n'y a pas de truc. Mais je crois que j'ai lu qu'ils n'avaient pas complètement fini de noter les panneaux parce qu'ils veulent faire des jeux de mots. Je crois que j'ai lu ça. C'est pas grave. Alex Kite 78, Kite l'aventurier, je ne le connais pas. Human 47, la danse. 1. Je ne connais pas non plus. Xbox 7, des plaques. 2. Je ne connais pas non plus. A Play for You, ça je le connais. YouTuber Minecraft Pro. Mais je ne suis pas abonné. Et d'ailleurs, faudrait que j'aille voir un peu peut-être. C'est qui? Parce que s'il dit que c'est bien, ça doit être bien. Ah mais ça a ouvert là-bas, je suis bête ou je suis bête? Oui je sais, j'ai beaucoup de choix de réponse à cette question. Donc, ce mur est bizarre, je ne l'avais jamais remarqué. Oh non, s'il vous plaît, pas un truc avec plein de... déjà un code avec des boutons. Hein. En plus il y en a trop, non mais je pense que appuyer sur tous les boutons, ça devrait marcher je pense. Ah, j'ai entendu le bruit de porte. Peut-être augmenter le son un tout petit peu pour vous. On va le mettre à 25, j'ai peur que ce soit trop fort ensuite. J'appuie quand même sur tous les boutons, mais il y a une porte qui s'est ouverte, je sais, j'ai entendu. Voilà, elle est ici. Attention, ouverture, cellule bloc. Ah, attention, ouverture, cellule bloc. Gauche bloc. Ah, il faut toujours essayer d'ouvrir toutes les cellules. Ok, bah j'active tous les leviers. Et donc le bloc A, c'était ici. Et voilà, toutes les cellules se sont ouvertes. Ah, bah tiens. Bien regarder au plafond aussi. Deuxième œuf. Ok, donc la cellule de Balou, ma cellule, ça c'est bon. La cellule de Winnie l'ourson, est-ce qu'il y a quelque chose dans la cellule de Winnie l'ourson? Non, il n'y a rien. J'aime bien l'ambiance de cette map, hein. Honnêtement, là c'est assez stylé, c'est très réaliste. Elle est mieux que la mienne. En plus c'est vrai, mais bon, tant pis, hein. J'ai encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Enfin, moi, parce que je suis pas un créateur de map aventure, hein. Je suis plus un youtubeur qu'un créateur de map aventure, mais ça m'amuse d'essayer d'en créer. Donc voilà, ah, de la clé ici aussi. Pas facile à voir hein, parmi la pierre. Hop, voilà, des fois on a l'impression. Hein.
Alors, I play for you, dis-moi que t'as quelque chose, toi. Les sly bones ne sont bonnes qu'à être jetées. Donc, je peux pas jeter la nourriture. Ah, bah tiens, il doit y avoir une slime ball dans ce coffre. Ouais, avec un œuf. C'est parfait. Allez, on jette la slime ball. Ouais. Vas-y, cocotte. Vas-y, ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ici, on n'a rien du tout non plus. Ah, si. Si, 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 on a quelque chose. Voilà. Sas de sécurité, sortie A, sortie A, tiens la sortie, je veux la sortie. Bon, allez. Qu'est-ce que ça a ouvert? Ça a ouvert, ça a dû ouvrir une porte là-bas, je pense. Ouais, ça a ouvert ici. Ouverture porte B. Attention, ouverture sur le bloc droite B, les leviers s'embrouillaient, inutile d'essayer. Ouais, c'est ça, bah j'essaie quand même. Alors, voilà, ça a ouvert ici. Ce couloir semble être désert. Red Kill 24, plus fort que moi. pourquoi plus fort que toi? Bob Lennon, il a fait un incendie lui. Yves Ventouse, bouche. Yves. Oh là là, le jeu de mots, my god. Yves Ventouse, bouche. Ventouse. Ah, pardonnez-moi, c'est trop drôle. Alors, Slime Ball. On doit la jeter ici, je suppose. Ouais, bah enfin, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Ça a dû faire quelque chose. Jean-Kevin, construction abominable. Meyer, enfermé pour live trop vu. The Fantasio, enfermé pour surplus de tutoriel. Camionnet, stationnement gênant. Ah, camionnette. Pff, oh là là, my god, jeu de mots. Elarcis, poulpe malin. Plein de références, hein. Lucifer, rire diabolique. Numéro 6. Le numéro du diable. Dieu, créateur des Sims. Il est enfermé parce qu'il a créé les Sims. Arnaud 00, Pokémaniac. Et Lynx, tester, testé. Je connais pas non plus Lynx. Désolé, hein, si je connais pas des gens, on peut pas tout connaître. Cette porte est fermée, trouvez un autre moyen d'aller là-bas. D'accord. Bah, je pense que le moyen est ici. Alors nous sommes partis. Tiens, tiens, dispenser, torche. Hop. Ah, il y en avait deux. Hop les. Ok, y a rien ici. Ça m'a fait peur, j'ai cru qu'il y avait un silverfish là, mais je suis en peaceful. Donc il n'y a pas de monstre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ça amène où ça? Dans une cellule. D'accord, il y a un bloc de d'argile ici, un autre œuf, on en a 8. Écoutez, bah je trouve qu'on en trouve je trouve qu'on en trouve. Ah, c'est bien ça. Je trouve qu'on en trouve pas mal. Ça va, ça marche bien pour l'instant. Donc je suis pas allé à gauche. Non mais c'était à gauche ici. Donc petit labyrinthe dans les conduits d'aération, on descend encore dans une cellule. Il y a pas de bloc d'argile ici. Ah, il y a un bouton ici, plus intéressant encore. Alors, donc pareil, hein, les vidéos elles feront environ 20 minutes, hein, comme d'habitude, et j'espère encore une fois que ça vous plaira. Et si ça vous plaît, bah, et que vous voulez que je continue à faire des map aventures comme ça, hein, j'essaie d'en trouver des toujours puzzle, énigmes, parcours un peu, ce n'est pas là. D'accord, puzzle, énigmes, parcours et tout, donc si ça vous plaît et que vous voulez que je continue à faire ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce vert. Ça a ouvert le passage ici, je crois. Oui, ça doit être ça. Mais je me demande si ça aurait pas ouvert non plus. Non. Non, 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 je dis des bêtises. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi il y a dispenser ici. J'ai envie de péter la torche de redstone, mais non. Pas le droit. Rien ici. Allez, hop, on va arriver sans doute. Ouais, voilà, là où les portes étaient fermées. Ouverture porte, infirmerie, détenue. Petite faute mais non fait exprès. D'ailleurs ils font des plus, ok. Ne pas laisser sortir le malade. Epa. Cobaye à toute heure, donc Epa c'est le cobaye de Red Kill 24. Ouverture chambre médicale sécurisée. Ok. Ah bah, je peux dormir. Oui j'ai vu, il y a un bloc d'argile, vous inquiétez pas, je l'ai vu à côté du lit. D'ailleurs je suis sûr j'en rate hein, mais c'est pas grave hein. On ne peut pas tout voir les amis. Neuvième œuf. Vous remarquez qu'un steak était en train de cuire. Ouais.
Il y a du charbon. Dixième œuf, encore 60. Ah, c'est bot switch, ça a ouvert quelque chose. Je vais prendre le steak qui cuit, hein, tant qu'on y est. Là, il y a des trappes, ok. Allez, on le prend. Salle de sécurité bloc C. Allez, on ouvre tout. Ouverture bloc C. Ce levier ne semble plus fonctionner. Bah, je l'ouvre quand même. Tiens. Ah, il n'y a pas de l'argile. Non, pas d'argile ici, j'ai pas l'impression en tout cas. Alors, des petits jeux de mots encore. Temreltor, je corrige les fautes. J'ai pas compris. Borloo, guerrier des bois. Borloo, Jean-Louis Borloo. Je sais pas. Code 1, on. Code 2, code. Code 2, pas con. Code 2, 2, off. Ok, bah. On. Oui. Ougou 85. Oui, je rame, mais alors. Ils font des petites références entre eux, je ne sais pas. Wise Lego. Wise Lego. Merde de trop de villes. Parce qu'il fait des Lego. Non, je sais pas. Je n'importe quoi. Code 1. Bon, on va essayer de faire le code 1. Donc je vais laisser off quand c'est code 1. Et l'autre on. Hein, je sais pas. J'imagine ça doit être ça. Peach Rat. Esperme John Craft. Je ne connais pas non plus. Là, logiquement, si je continue dans ma logique, qui n'est pas du tout logique, mais c'est pas grave. Biloulette. Peste Maman Craft. Bismode 3. Le plus cool des youtubeurs. Hein. C'est un fan de Bismode. Eyo, tueur de Kiku. Non mais on. J'ai la flemme un peu de te regarder quand même. Mister, Monsieur LV12, Pro COD Power, Funk Fader, cuisinier du mal. Diablo X9, premier youtubeur francophone. Et on. Ah, oh, c'est magique, c'était ça. Ah, je suis content. Et si je fais le code 2, bon, on verra. Salle de repos. Salle de repos. Alors, on a un jukebox ici. Peut-être faut mettre un CD. Jolie petite déco tout en bois. Les tableaux peuvent cacher bien des mystères. J'ai pas le droit de casser les tableaux. Bien joué. Allez voir ailleurs. Ok, y a rien ici en plus. Oh, chacal, y a rien. Je crois que... Comment il peut faire tenir un tableau comme ça? Parce qu'il y a des panneaux, c'est ça? Je sais pas. Hein. Ouais, je pense que ça doit être ça. Un œuf encore. Donc là, ouais, ok. Ouais, il fait tenir grâce au panneau. Il fait tenir grâce au panneau. Donc à chaque fois qu'il y a un tableau maintenant, peut-être là même. Non, pas là apparemment. Ça, j'ai même pas vu. Oh là là, ça va loin ça. Oula. Ok. Bon bah je peux pas hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Un coffre avec un œuf. Un dispenser. Ça fait la trappe là, c'est tout. Une viande cuite. Rien du tout. J'espère que je vais pas rester bloqué. Armurerie, il vous faut des armes, mieux vaut être prudent. Oh yeah. Alors. Ah, bien ça. Pas beaucoup de flèches, hein, va falloir bien les économiser. Puis on est en peaceful, donc les armes, je sais pas trop à quoi elles servent, mais c'est pas grave. Et la hache non plus, mais c'est pas grave. Alors, on a de la clay ici. J'appelle ça clay, argile, c'est bon. Hop, on saute et deux œufs. Voilà, ça va être deux en deux maintenant. Ça accélère le mouvement. Y a rien d'autre ici. Alors. Comment je suis censé faire? Ah, j'ai une idée. C'était pas ça? C'était pas ça? Oh, dites-moi que c'était ça. Comment je fais alors si c'est pas ça? Non, je veux pas être bloqué, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, on va réfléchir calmement.
Ok, alors ici j'ai tout fait, on est d'accord. On est d'accord, il y a un jukebox mais il n'y a pas de CD. Ici je suis passé, il y avait un truc secret, voilà. Ici il n'y a plus rien, j'ai appuyé sur les boutons. Il n'y a que celui-là, mais voilà, il fait celui-là. Armure. Ah bah ça a ouvert. Autant pour moi, bah ça devait être ça. Oh, une sortie. Alors, ALJG. Testeur nain. Je ne connais pas non plus, pardon. Cellule D, cellule F, cellule L, cellule C, cellule machin, cellule. D'accord, cellule A, elle est ouverte. Une des plaques semble activer la porte d'en face. Ah ok. Vite, 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 vite. Non! Oh non! Ouf si. Et ça sert à quoi d'activer la porte d'en face? Oh, j'appuie sur toutes les plaques. Hein. Excusez-moi un peu de silence, mais je réfléchis. Et quand je réfléchis, bah ça prend du temps. Ouais, tout le coup faut faire un speed. Attendez, je me demande s'il faut pas faire un speed genre. Enfin, on va aller à la sortie pour l'instant. Sortie, 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 sortie. Je suis libre, libre ou pas? Ou pas, j'ai envie de dire, parce que là, je suis dans la cour de la prison, mais. Mais voilà quoi, y a rien. Pas de porte ouverte là. Hein. Là-bas, on n'a pas de porte. Bon, on va retourner là-bas, on va essayer de résoudre l'énigme, et puis si j'y arrive pas, on arrêtera, et si j'y arrive, on arrêtera. Pardon. Il y a un levier ici. Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu. Alors, attendez. On commence. En activant ici. Et là on va vite. Ouais, je suis archi lent, mais c'est chaud de passer la porte là. C'est où que ça s'ouvre? J'écoute, j'écoute. Oh my god. Où c'est que ça s'ouvre? Attendez, attendez. On va prendre son temps. On va laisser tout se remettre. Je sais pas si vous entendez bien les portes en plus. Ah! C'est là. On refait, on va y arriver, on a compris. Non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Ok. Allez, oui! Levier. Levier, c'est... Il a ouvert quelque chose ou il compte comme un checkpoint? Ça doit être un petit checkpoint. Genre, il laisse la porte ouverte ici. Ok. Ça ouvre quelque part, ça? Pourquoi j'ai l'impression que ça ouvre nulle part? Est-ce que ça aurait pas ouvert une porte là-bas quelque part? Non. Bon, tout de même, ça va faire 20 minutes les amis, hein, donc si je ne trouve pas... Si je ne trouve pas, et comme ça a l'air d'être le cas, on va se dire au revoir, je vais aller chercher un peu, je vais essayer un peu là tout seul et chercher un peu comment faire sinon sur internet. Et puis on se retrouvera nous pour le prochain épisode, donc n'hésitez pas à me dire si celui-là vous a plu et je vous dis... À très bientôt. Allez, salut tout le monde. Bye bye.